20e minute que le Sénégal a perdu son match. Pourquoi? Quand Sadio il a pris le carton et a fait un tacle sur, comment on appelle ce garçon encore, sur Sangaré. Oui. Il savait, même Aliou Cissé savait que ça c'était un carton rouge. La preuve, oui, il est parti voir. Aliou Cissé savait, oui. Donc après que l'arbitre n'ait pas donné ce carton, le Sénégal a baissé. Maintenant, Sadio est sorti d'abord du match. Il n'était plus dans le match parce qu'il avait peur d'aller au contact. Oui, c'est vrai. Il savait que s'il va au contact, il aura le carton. La vie ne va plus le pardonner parce que la Bible lui a pardonné hier. C'est là le match a basculé. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas que ma chère. Et la Bible même. Je voulais te poser une question. Est-ce que c'est ça que Mané, on devait le remplacer hier, après le carton jaune? Oui, on devait le remplacer. Devait le remplacer. Si c'était moi, je le remplaçais directement à la deuxième mi-temps. Il n'allait plus continuer. C'est ça. Je le remplaçais à la deuxième mi-temps, il n'allait plus continuer parce que Sadio n'était plus dans le match. C'est vrai. Il avait ça en tête. Lui-même, il savait qu'il méritait le carton rouge. C'est ça, oui. C'est ça. Et c'est ça qui a même fait en sorte que même la VAR n'a pas payé l'arbitre sur le pénalty de Sénégal. C'était un pénalty net et clair. C'est pas un défenseur, Sadio Mané, frère. Attends, je tiens juste, s'il vous plaît, juste une minute. Juste avant de vous quitter, donc je tiens au nom de tous les Marocains. Je vous remercie pour l'accueil. Franchement, vous avez accueilli les Marocains. On est derrière vous. Merci. Voilà, donc on est des frères. Bah voilà. Donc je tiens à vous dire un grand merci à vous. Donc, c'est là où le Sénégal est sorti de son match. C'est pas ailleurs. C'est à la 8e minute qu'ils sont sortis du match. Et maintenant, le corps arbitral, sachant qu'ils n'ont pas de le carton rouge, ils ont compensé en refusant le pénalty de ça. Mais là, ça était clair. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ils ont compensé. C'est ça. Donc, moi, je ne peux pas me plaindre. Les gens n'ont pas assez plaindre. On doit. Depuis que le championnat, la Coupe d'Afrique a commencé, c'est hier qu'il y a eu une erreur d'arbitrage. Mané est sorti de son match. J'ai pas compris. Voilà, Mané est sorti de son match, c'est vrai. Mané est sorti de son match, oui. Mais c'est pas un défenseur, Mané, frère. Oui, c'est un attaquant, oui. Oui. Donc ça va, il est pas sous pression. Quand t'es défenseur, oui, mais quand t'es attaquant, ça va encore. Mané a eu peur hier pour ne pas prendre deuxième jaune. Oh, il se donnait plus. Oui. Il pouvait pas. Oui, mais c'est moins grave que si c'est un défenseur, tu m'as compris. Oui, mais attends que défensif, il fallait changer parce que Sénégal a des joueurs qui sont très bons devant, même si Mané ne joue pas, mais ils avaient des joueurs qui sont percutants encore. Non, mais moi je pense que c'est le Sénégal qui a joué. Il a joué un peu défensif, un peu trop défensif. C'était ça. Non, et puis il faut saluer le coaching. Il faut saluer le monsieur, l'entraîneur ivoirien. On l'appelle encore comment là? Faye Mess. Ce que Faye a fait hier, il connaît ses joueurs. En deuxième mi-temps, quand il a mis Alain et comment on appelle l'autre attaquant là? Nicolas Pepe. Il a mis Pepe d'abord. Il a mis Pepe et Lingard. Oui, Adenga, oui. Ouais. Après, quand il a mis. Comment on appelle l'autre attaquant? L'avant centre qui joue à Borussia. Haller et l'autre gars, ils ont stabilisé ils ont empêché Koulibaly et Abdou Diallo d'alimenter le milieu terrain. Le Sénégal n'était plus à l'aise. Il ne sortait plus le ballon comme il voulait en première mi-temps. Oui, c'est vrai. Parce que là où ils se sont bloqués. Il était fatigué, défenseur sénégalais. Oui, tu as vu même Koulibaly était fatigué, même vers la fin. Même dégager le ballon, il ne pouvait plus. Oui, c'est vrai. Donc, il faut saluer le coach qui a fait un bon travail. Maintenant, Baya, tu as la parole. Baya, vas-y. Ok, on est ensemble. Ok, merci. Baya, vas-y. Oui, juste, je voulais lui dire, il a accusé ici de Sadio, et Sadio a dit c'est l'erreur de l'arbitrage. Et ça, Sadio n'a pas dit ça. Sadio, il a dit... Moi-même, là, il confirme ça. Sadio n'a pas dit ça. Moi, j'ai écouté tout. Oui, Sadio a dit... Il a dit que le meilleur a gagné. Que c'est le meilleur qui a gagné. Il a dit... On ne sait pas s'il a fait deux interviews. On ne sait pas. Non. Sadio, tu sais, Sadio, les joueurs comme Sadio, ils sont... Maintenant, ils sont des icônes en Afrique. Ouais. Qu'est-ce qu'il parle? Il maîtrise. Il ne parle pas de n'importe quoi. Ouais. En plus, il a dit expérience et ça, c'est pas la première fois qu'il était éliminé. Il était éliminé en 2017 aussi. Ouais. Il était éliminé, c'est lui qui a raté le penalty. Il est éliminé en Ligue des Champions, il est éliminé partout. C'est pas comme Kerpe Diatta, des zones qui viennent de commencer. Ouais. Ça, il faut parler de n'importe quoi, mais Sadio, il dit pas, parce que Sadio, c'est une icône maintenant.
Non, mais bon, voilà, chacun donne son... Il n'est pas dit ça son par rapport à... Mais, par mais par rapport... Moi, je n'ai pas écouté ça, la vérité. Non, ça ne parle pas de ça. Ça c'est du n'importe quoi. En plus, le capteur de zone de Sadio, Al-Sissi, qu'est-ce que... Il a bien parlé. Ouais, il a dit les dieux de football, et c'était à côté de Côte d'Ivoire, c'était ça, le mieux a gagné. Merci. Il n'y a pas autre chose, c'est ça qu'il a dit. Oui. Merci. Mais il n'a pas dit autre chose. Youssef, comment tu vas? Bonsoir. Ouais, Hamdoulah, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. En tout cas, c'est un bon match hier, mais moi, je suis marocain, moi. Ouais. Moi-même, je suis marocain. Voilà, mais c'était dur de choisir qu'on va supporter. Pour moi, c'était dur, franchement. J'aimais bien toutes les deux équipes, hein. Ouais. Le Sénégal et les Côte d'Ivoire. Franchement, j'ai adoré les deux pays là. Mais voilà, la chance est l'équipe. Voilà, on a devenu marocain, hein. Ouais, mais la chose que je vous demande, de supporter le Maroc, hein, aujourd'hui. La chose que je vous demande. Mais tout le monde est derrière Maroc, tu vois pas la photo? Mais c'est ça, mon live. C'est pour ça que j'ai fait le live. Tout le monde, c'est ça.